Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI Nasrallah, le Maroc est devenu une véritable terre de sport et une véritable terre de football. Aujourd'hui, avec l'Office national maroc de tourisme et la Fédération royale marocaine de football, nous signons un partenariat stratégique de coopération pour mettre le football comme un véritable levier à la promotion touristique, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ce partenariat vient consolider et renforcer et garder le momentum autour de l'exploit extraordinaire qui a été délivré par les Lions de l'Atlas. Depuis ce moment-là, la Coupe du Monde Qatar 2022 à maintenant, nous avons enregistré plus de 130 millions d'interactions autour de la destination Maroc et autour du football. C'est un véritable trésor que nous avons et aujourd'hui l'objectif commun de la Fédération royale marocaine de football et de l'Office national marocain de tourisme, c'est d'avoir un récit unique sur le Maroc qui va au-delà du football et qui intègre les valeurs qu'il y a derrière et intègre les valeurs qui ont été partagées durant cet exploit. Ce partenariat couvre 2023-2030. Il rentre aussi dans la dynamique de la candidature tripartite Maroc-Espagne. Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 qui a été annoncée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI l'année dernière.